Excellence, bienvenue chez vous. Une interview. Merci, mais nous n'avons pas besoin. On est en train de faire seulement des... Vous venez du Grand Nord, vous voulez juste savoir un mot. Ah bon, juste. Ok, allons-y. Oui, Amélie, salut. Excellence, vous revenez de la partie Grand Nord, c'est quelle la situation là? Bon, relativement calme. Nous avions un grand problème quand l'ennemi a essayé un peu de bousculer dans la chefferie de Bachou. Et il nous a endeuillés. Je devais aller rapidement renforcer la position parce que jusque-là, la chefferie de Bachou n'était pas atteinte. Et nous avons fait le nécessaire pour repousser l'ennemi et renforcer la position et aussi compatir avec notre population. Excellence, certes on est en train de saluer les avancées, la prouesse des FARDC sur le terrain, mais qu'est-ce qui explique cette montée aussi de l'ennemi? Vous parlez aussi de Bachou qui a été touché, qui n'était pas affecté dans les années passées. Merci beaucoup. Vous savez, l'ennemi que nous combattons pratique de la guérilla. C'est-à-dire, dans une guerre asymétrique, il s'est éparpillé à travers tout le territoire. Nous ne pouvons pas dire tel coin. C'est-à-dire tout notre territoire éparpillé en petits groupes. Ce qui fait un grand problème au FARDC pour les pourchasser, les localiser, les combattre. Vous voyez, c'est quand vous entendez parler de Bachou, c'est une étendue. Quand vous entendez parler de Moualika, c'est une étendue. Quand vous allez jusqu'à Erengeti, ce sont des étendues. Et avec la végétation et tout ce qui s'y trouve, vous voyez, l'ennemi est éparpillé sur tout le territoire. C'est ainsi, il peut se mouvoir en petits groupes et surgir dans n'importe quel village. C'est ça. Il y a quoi espérer? Ah, nous sommes là pour le travail. Merci, Excellence. On a suivi le chef de l'État aux tribunes de l'ONU quand il a parlé sur l'état de siège, mais aussi sur la situation du pays actuellement. Mais moi, de ma part, il y a quelque chose que j'ai retenu du bon côté, d'autres que je ne peux pas retenir aussi du bon côté, puisque à part qu'il soit le premier citoyen, c'est un politique, qu'il faut comprendre le langage politique, monsieur le journaliste. Mais quant à la question liée à l'évolution de l'état de siège, je ne suis pas à 100% d'accord avec l'armée, mais aussi il faut retenir qu'il y a eu des avancées. Et ça, on ne peut pas tous comprendre de la même manière. Il y a celui qui va comprendre quand on a dit A, lui va comprendre A et B, il va comprendre B. C'est qu'on ne peut pas tous comprendre de la même manière, mais il y a des avancées. Il y a des avancées, par exemple, c'est quel côté, quel plan? Moi, je ne parle seulement pas de l'avancée seulement pour l'état de siège, mais je peux parler aussi de l'avancée au sein de notre armée. Puisque c'est actuellement que nous sommes en train de voir le nouveau véhicule de l'armée. On a vu les véhicules Opération Nord Kivu pour dire qu'il y a des moyens logistiques qui ont été mis à la disposition de notre FARDC afin qu'ils puissent bien faire leur mission régalienne. Mais aussi, il faut reconnaître, à Beni, bien sûr qu'il y a toujours des cas isolés qui continuent à être vus d'ici et là, mais ce n'est pas comme ça que ça a été avant. Quand même, il faut reconnaître les efforts que sont en train de fournir nos FARDC. Quoi qu'il y a d'autres régions qui ont été nouvellement touchées, comme le cas de Bachou qui a été touché, mais il faut, vous avez suivi les maires, les gouverneurs militaires, ce qu'il a dit. Il n'y a pas le gouverneur militaire, il y a le maire de Beni qui est le maire militaire. Vous avez suivi ce qu'il a dit, que les ADF seraient
se serait infiltré au sein de la population. C'est que ici nous sommes dans une guérilla, nous ne sommes pas dans la guerre classique où on voit l'ennemi est là, comme on a vu l'M23, et l'armée avait neutralisé l'M23 dans un bref délai, bien sûr, avec l'accompagnement de la population. Et aujourd'hui, nous sommes face à une guerre asymétrique où les terroristes veulent exterminer toute une population. Et ne croyez pas que notre armée va venir comme ça là, en train de tirer sur tout le monde. Non, ils sont en train de faire des renseignements et ils agissent. Ils se renseignent et ils agissent. Et comme ça, il faut quand même saluer cette nouvelle technique qu'a adoptée notre armée. Mais qu'est-ce qui explique cette volonté du chef de l'État de vouloir finir les guerres à l'est du pays? On avait décrété l'état de siège, on voit aujourd'hui les militaires, comme vous l'avez dit, avec la logistique, et en tout cas prête pour l'armée. Pourquoi c'est là? Pourquoi cet engagement du chef de l'État? En fait, vous savez, monsieur le journaliste, depuis 2014, nous étions dans la rue avec vous. Quand vous nous accompagnez toujours, quand on demande la paix. Moi, je n'ai pas fait la paix. Voilà, voilà. Non, ce n'est pas pour marcher, c'est pour votre travail. Ouais. Alors, nous décrions la paix, la paix, la paix, la paix chaque jour. Et le chef de l'État, c'est, si je peux passer un peu à côté, le chef de l'État, c'est d'abord notre collègue militaire. C'est quelqu'un qui se battait toujours pour la paix de ce pays. Il était à l'opposition. Voilà. Et aujourd'hui, il est au pouvoir, il doit faire réellement tout ce qu'il disait avant qu'il ne soit à la manette. Et deuxième des choses, il avait promis la paix, que c'était parmi ses priorités des priorités, puisque nous comprenons, il y a des questions nécessaires, mais qui ne sont pas urgentes, et des questions urgentes qui ne sont pas nécessaires. Mais pour le chef de l'État, la paix a été la question urgente et nécessaire. Et quand il était de passage à Goma, deux mois après qu'il ait le pouvoir, il était de passage à Goma, il avait promis la paix. Et il avait dit même à Bukavu aussi, qu'il est prêt à mourir pour la paix à l'est du Congo. C'est que ne soyez pas surpris ni étonnés de voir que le chef de l'État fait tout pour que nous ayons la paix. Mais aussi, c'est parmi ses missions, c'est de nous protéger, nous, la population. Quoique les précédents, ils faisaient aussi leur mieux, bon, de leur manière, toutes les personnes, chaque homme a la façon de palper sa femme, monsieur le journaliste. C'est que, tu sais qu'il dit, il se bat pour la paix, c'est pour réaliser sa mission. Mais c'est cet engouement qu'on observe, ce n'est pas pour des questions électoralistes. Bon, c'est un politicien, et tout ce que fait un politicien, il y a quelque chose qui est visé. Bien sûr, il est fait pour nous protéger, puisque c'est sa mission, mais aussi il se bat pour son honneur en 2023. C'est qu'il faut mettre aussi cela en tête. Mais nous, c'est nous qui décidons, nous, la population. Et si nous voyons qu'il a fait des questions qui touchent l'âme du Congolais, on peut prolonger le mandat, c'est à nous de décider, nous, la population. C'est nous qui allons voter, ce n'est pas tel ou tel autre qui va voter, c'est nous, la population. Et c'est à nous de voir s'il a bien travaillé ou bien il n'a pas bien travaillé, c'est à nous d'analyser. Et puis c'est la CENI de jouer son travail. Non, la CENI, c'est parmi les institutions d'appui à la démocratie. Ce n'est pas la CENI de donner un pouvoir à celui que la population n'a pas voté. Hier, c'est qu'on parle de les erreurs démocratiques. C'est qu'il faut comprendre, si la CENI passe à côté de ce qu'on a fait, on ne peut pas accepter ces élections. C'est parce que comme on a vécu, par exemple, dans les années passées, que je ne peux pas citer, que vous vous rappelez vous-même quand même. Bon, exactement, nous étions, il y a eu des slogans d'ici et là, mais moi, je n'étais pas prophète de malheur, mais je le disais aux gens. Tel ne peut pas être chef de l'État dans ce pays. Tel n'est pas chef de l'État dans ce pays. Et on a vu ce qui se passe dans les Massissi, bien sûr, quant à la CENI. Mais je crois que les choses vont changer, monsieur le journaliste. Je voulais dire, vous faites allusion à qui ne pouvait pas quand même être chef de l'État de ce pays. Non, Fayoulou ne pouvait pas être chef de l'État de ce pays. Comment ça? Non, il n'est pas... vous savez, pour être chef de l'État, il faut avoir un charisme d'un homme d'État. Ce n'est pas un barbare qui peut être un chef de l'État, mon cher ami. Ça, vous avez fait allusion de quoi? Non, là, ce n'est pas à Fayoulou seul. C'est qu'il y a un groupe de gangs qui ne peut pas aspirer à être chef de l'État, ni même gouverneur. Je cite Fayoulou, je cite Katumbi, je cite Nzangi qui voulait être gouverneur. Un barbare ne peut pas diriger toute une république. Il faut l'esprit de la sagesse. Non, Katumbi, c'est parmi les gens qui ont commis des crimes économiques dans ce pays. Et ça, il faut accepter, monsieur le journaliste. Non. Il a construit les Katanga. Il a construit, mon cher ami, ce que regorge les Katanga, et ce que est les Katanga, c'est pas comme ça que pouvaient être les Katanga.
mais tout simplement puisque il y avait des intérêts. Vous avez suivi, juste quand Kabila partait, il avait dit que Katumbi c'est un Jida. Et Jida avait vendu Jésus pour l'argent et au finish il s'est pendu aussi. Et dans cette philosophie, il y avait tout un livre qui parlait sur Katumbi. Mais pour qui et à qui et pourquoi le dire maintenant? C'est que il faut que nous puissions mûrir nos analyses. Nous ne sommes plus à l'époque où nous devons être des suiveurs. Non, quand on veut voter actuellement, il faut voter l'homme qu'il faut. Avoir des millions qu'on a amassé à notre honneur, ce n'est pas être un homme d'État. L'homme qu'il faut, c'est Tshisekedi, c'est ça? Je ne le dis pas que c'est Tshisekedi. Tshisekedi aujourd'hui est au pouvoir et après son mandat, nous allons analyser, nous, la population. Il a quand même un deuxième mandat. Bon, la Constitution le dit que le mandat du chef de l'État est renouvelable une et une seule fois. Je crois que c'est l'article 70, si je ne m'avise, de la Constitution. Mais cela ne veut pas dire que comme le mandat du chef de l'État est renouvelable une seule fois, que s'il n'a pas été élu, qu'il peut maintenir le pouvoir. Non, nous sommes dans un pays démocratique et nous donnons le pouvoir d'une manière démocratique. Vous savez, moi-même, ma voix compte aussi. Et vous, et l'autre, et tout le monde. C'est que ce n'est pas moi de décider que Tshisekedi peut rester là-bas jusqu'en 2028, ou bien il peut quitter. Non, c'est à la population, c'est aux 90 millions de Congolais qui vont décider s'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais les gens, vous êtes là, vous les soutenez et la confiance également de la population. Non, je n'ai jamais soutenu Tshisekedi en tant que personne. Non. Et je n'ai jamais soutenu Tshisekedi, mais je soutiens ce que fait Tshisekedi. C'est qu'il faut faire cette différence. Et moi, je suis libre de donner mon avis. Et je suis libre de soutenir celui que je veux, mais moi, je suis apolitique. Je ne suis pas les choses politiques. Mais je dois analyser comme citoyen congolais et comme celui qui doit remplir aussi son devoir civique. Et vous connaissez que le pouvoir, on ne peut pas laisser ça dans la rue quand même. Bon, même si le pouvoir n'est on ne laisse pas le pouvoir dans la rue, il y a ce qu'on appelle aussi continuité de l'État. C'est que, et même la Constitution est claire que le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Revenons sur notre sujet principal, monsieur Espoir. Certes, on parle de l'état de siège et vous saluez les avancées de l'état de siège, mais il y a toujours les prédateurs de cet état de siège qui ne veulent pas, ou bien qui veulent que carrément l'état de siège soit levé. Et surtout, quand ils ont suivi la sortie du chef de l'État, ces mêmes personnes ils se sont encore aussi se sont agitées. Parce que quand ils ont suivi que le chef de l'État dit que l'état de siège, en tout cas, ne pourra pas être levé tant que la situation, parce que on le sait bien, l'état de siège a été décrété parce qu'on a jugé la situation qui était jugée un peu morose à l'Est, en tout cas, ne marchait pas. Et du coup, ça a été décrété pour essayer un peu de finir avec ces violences. Et toutes ces personnes-là qui s'agitent pour l'état de siège, pour vous, quand vous suivez ces gens-là, vous les qualifiez comment? Et comment vous analysez cela? En fait, vous savez, avant de répondre, monsieur les journalistes, vous savez, il y a les gens dans ces pays. Je vous ai dit qu'il y a un groupe de gangs dans ces pays. Et ces gangs, vous allez voir, c'est leur camp toujours. Et à part leur camp, c'est toujours les politiciens qui sont dans cette histoire. Est-ce que vous avez entendu un citoyen lambda comme moi parler du mal pour cet état de siège? Faux, archi faux. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un d'autre qui n'est pas un politicien, qui n'est pas un grand commerçant, s'acharner contre l'état de siège? Non, c'est que ce sont les politiciens qui étaient au pouvoir, qu'on a ravi le pouvoir, ce sont les députés qui recevaient leurs émoluments. Et je présume qu'ils n'en reçoivent même plus. Ils reçoivent ça. Bon, s'ils en reçoivent même. Les gouverneurs, même les vice-gouverneurs policiers qui a confirmé que tous ces députés. Vous ravir la signature compte beaucoup que l'argent que vous pouvez avoir. Et attention avec ces députés, ils passaient d'ici et là dans les institutions de l'État pour amasser de l'argent, chose qu'ils ne trouvent plus aujourd'hui. Alors, et c'est eux que j'ai vu des tracts sur des réseaux sociaux, il y a eu autant de morts, comment est-ce qu'ils ont fait des enquêtes? Faux, archi faux. Ils sont en train de monter des histoires d'ici et là. Mais ce que je ne comprends pas aussi dans l'état de siège, c'est qu'il fallait que les chefs de l'État et les animateurs de l'état de siège puissent changer les stratégies aussi. C'est qu'il fallait mobiliser la population, que la population civile puisse s'approprier
l'état de siège. Puisque si la population comprenait qu'est-ce que ça veut dire l'état de siège, je vous dis que tous seront derrière cet état de siège. Mais les politiciens margoulés qu'ils sont, ils passent directement à la population, ils communiquent de fausses informations à la population. Il faut mettre de manipuler la population. Oui, et la population maintient ça dans leur tête. C'est que il fallait qu'on puisse bien sensibiliser la population et que les génies militaires, puisque nous avons des génies militaires, monsieur le journaliste, que les génies militaires puissent faire, commencer par réaliser des grands travaux, puisqu'ils ne vont pas traquer les rebelles dans des forêts où il n'y a même pas de route. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des routes, qu'on puisse rouvrir nos routes. Nos génies militaires, s'ils commencent ce travail, commencent la sensibilisation. Ils vont traquer les rebelles et nous, la population, nous allons les accompagner, nous allons dénoncer partout ces caches, ces rebelles. Même ceux-là qui sont dans des poches des politiciens, il faut qu'on les traque aussi et vous allez voir que les choses vont revenir à la normale comme on était. Quand vous dites qu'il y a des rebelles qui seraient dans les poches des politiciens, là, vous voulez dire quoi? Non, là, je ne parle donc qu'un politicien. Mais vous avez... Mais j'ai fait ma sissi quand je vais. C'est que je connais les histoires qui se passent là-bas. Vous allez voir, il y a ceux-là qui disent ils sont des rebelles proches de tels. Rebelles proches de telle communauté. Rebelles proches de telle communauté. Vous avez entendu, on a dit... dans les Grands Nord, les Maïmaï Mazembe, c'est pour telle communauté. C'est qui, par exemple? Les APCLS, c'est pour telle communauté. Les Nyatura, c'est pour telle communauté. C'est que il y a les leaders de ces communautés là-bas et ces leaders entretiennent de bonnes relations avec ces rebelles-là. Mais vous pouvez être comme le chef de l'État. Parfois, soit il n'est pas au courant de ça, et soit ces leaders aussi seront aujourd'hui dans les gouvernements, peut-être. Non, pas que ceux qui seraient, c'est eux qui dirigent le gouvernement. Et là, vous faites alors, non, je ne fais allusion à personne. Personne, mais je fais et je fais aussi allusion à tout le monde. Alors, même à ce niveau, en citant, dénonçant cela. Alors, ce n'est pas moi le chef de renseignement des chefs de l'État. Ils ont un grand service de renseignement. C'est que ce n'est pas moi de dire, mais c'est le chef de l'État. Il y a tel, et il y a aussi. Mais vous connaissez comme l'air, non? Il y a aussi des choses qui ne font pas dire aux caméras. Il y a aussi des choses que nous allons adresser. À qui des droits. C'est que nous sommes en train de travailler sur une grande liste, c'est une liste vraiment qui est longue, que nous allons rendre publique d'ici là. Et je crois que ça ne va pas tarder. Vous citez les noms des. Là, on cite les noms publiquement, c'est au ministère public d'en chercher maintenant des preuves. Ça peut nous faire plaisir que ce soit une exclusivité pour nous de connaître ces noms-là. Nous, à l'époque, on décriait certains généraux mafieux qui sont. Dans l'armée. Heureusement, le chef de l'État l'a compris, ils sont en train de prendre un à un. Et c'est comme ça qu'on va arriver aussi à ces politiciens, puisque dans la liste, on a cité certains opérateurs économiques, on a cité certains politiques, on a cité certains militaires aussi. Puisqu'on a compris, la sécurité à l'Est, c'est du business pour certaines personnes. Et or, quand ça se passe comme ça, celui qui est chargé d'amener la paix, c'est lui qui amène l'insécurité. Là, ça ne peut plus marcher. Et sous Tshisekedi, on est vers la fête de tout cela. Hein? Bon, alors. Parce qu'il s'implique, en tout cas. Que ça soit ainsi, qu'il puisse s'impliquer, il aura le soutien de tout le monde, puisque la sécurité, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi, celle de Gédéon, de tel, d'Aspiri, celle. Non, c'est pour tout le monde. Et quand on ne viole pas seulement ma soeur, ma mère, mon frère, non. On viole tout le monde et c'est l'honneur du pays qu'on est en train de saluer. C'est pourquoi on ne peut pas soutenir celui qui soit même de ma communauté en train de faire des bavures, non. Et nous, la liste, quand la liste va être complète, puisque nos équipes sont sur le terrain, ils y travaillent, nous allons les rendre publics. Si ça sera l'exclusivité, vous en aurez, monsieur le journaliste. C'est même cadre de l'état de siège, on observe aujourd'hui l'engouement des groupes armés qui se rendent et qui déposent les armes au FARDC. Pourquoi cela? C'est parce qu'ils sont sous pression ou bien? C'est parce que il y a l'état de siège qui est là. Non, en fait, il faut comprendre que chaque chose en son temps. Après la grossesse, il faut qu'il y ait une naissance. Après la naissance, l'enfant doit apprendre à marcher et grandir. Mais pas forcément qu'ils grandissent, il y a ce qui meurt. Alors, exactement, on ne peut pas tous grandir. C'est ça l'équilibre écologique. Mm-hmm. Quand il y a un disparu, il y a un nouveau-né. Alors, pour les compatriotes qui se rendent, c'est qu'ils ont appris maintenant du civisme. Puisqu'on ne peut pas défendre ta communauté en prenant les armes. On ne peut pas défendre ton pays en prenant les armes. Nul n'aime ce pays que nos militaires. Le premier
patriote, c'est militaire. Attention avec celui qui accepte de donner son sang pour te protéger. Parce qu'ils sont sous ordre aussi. Hein? Alors, c'est pas que je suis sous ordre. Mais pourquoi toi, tu n'es pas parti? Pourquoi moi, je ne suis pas parti? Pourquoi l'autre n'est pas parti? Lui, il a choisi ça comme métier. Il a choisi ça comme mission de protéger. Pour les compatriotes qui se rendent, peut-être qu'ils ont eu peur et peut-être qu'ils ont compris qu'il n'est plus question de se sacrifier pour les intérêts de tel ou tel autre individu. Savez-vous que ces gangsters là-bas qui entraînent nos petits frères, nos grands frères sous leur coupe, en fait qu'ils soient dans leur milice, savez-vous qu'ils ont des maisons, des voitures, des luxe et toutes les belles choses du monde et que ce sont nos compatriotes qui en souffrent et qui acceptent de porter les armes pour eux. Et si nos amis, ils ont compris, ce n'est pas question de pression, mais c'est une question de civisme. Ils ont maintenant compris qu'il est grand temps de servir cette République d'une autre manière. Mais pourquoi c'est ceux qui se disent que ces groupes armés se rendent? Vous savez, la communication est la meilleure de toutes les choses. C'est que le chef de l'État a si communiqué avec eux. Mais ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, Kabila était arrogant. Il était têtu, rebelle. Il n'est voilà, plus... vous exagérez. Non, j'ai dit ce qui est. Exactement, c'est un chef de l'État honoraire. Et nous le respectons comme chef de l'État. Puisque aussi, il avait fait aussi quelque chose pour cette République. Mais pour dire que alors, c'est trop. Oui, non, c'est pas de trop. J'assume. Non, j'assume. C'est pour que vous pouvez retirer. Je ne retire pas. Je sais, nous étions avec lui au musée. C'est un arrogant. Et quand vous parlez avec lui, vous sentez ça, vous. L'esprit et rebelle. J'assume. Quand vous parlez avec lui, vous sentez l'esprit rebelle. Rien d'un homme d'État. C'est qu'il ne pouvait pas bien collaborer avec les autres, puisqu'il était un rebelle. Mais il avait des conseils. Franchement, mais comme qui? Les Tambwe Mwamba, rebelle. L'autre là d'ici de Routchour, rebelle. C'est que vous ne pouvez pas me dire qu'ils étaient des conseils. Un rebelle, qu'est-ce qu'il va conseiller? Hein? Qu'est-ce qu'il va conseiller, monsieur le journaliste? C'est que aujourd'hui, la nouvelle politique, exactement, les Congolais qui avaient pris les armes contre la République, comment est-ce que qu'est-ce qu'ils vont conseiller? Elles ne peuvent dire aux autres qui sont dans la brousse d'y rester. Tu vois? Puisqu'ils sont venus de là. Ils croient que, excusez, ils croient que comme on avait réussi le pouvoir à travers la brousse, nos collègues aussi vont intégrer l'armée à travers la brousse. Ce n'est plus la question. Mais Kabila n'a jamais réussi le pouvoir à travers la brousse. Il fait militaire qui a été formé, d'ailleurs qui a suivi des formations en Chine. Oh. Pouvez-vous avoir même la photo de Kabila là où il est capitaine? Non, il est venu général. Et jusqu'à ce qu'il voudrait même être... À l'époque, il y avait voilà. La nouvelle technologie. Voilà. Pour faire trop de photos. Vous voyez maintenant, c'est que... Mais on sait c'est quand même... Exactement qu'il était... Parce qu'il a ça, dirigé les c'est sûr, c'est ouais. Sûr. Je l'ai dit au début, nous le respectons. C'est notre président honoraire, c'est un sénateur à vie. Et à part le respecter comme chef de l'État, je peux le respecter comme grand frère, comme père. Bon, pas comme père, comme grand frère. Vous voyez, c'est que j'ai le devoir de le respecter. Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. Il est venu de la brousse, ils ont eu le pouvoir par un coup d'État. Et après la mort du président qu'il est venu là-bas, son papa, c'est qu'il faut accepter. Bon, ça, je ne sais pas, puisque le pouvoir... si Tshisekedi mourait aujourd'hui, on ne veut pas mettre son fils. Nous sommes dans un pays démocratique. Non, à l'époque, c'est Kabila qui était. Kabila fils qui avait bien sûr, comment dirais-je, la force, la compétence de diriger le pays à l'époque. C'est qu'à l'époque, il n'y avait plus d'autres intelligents que lui. Bon, vous avez cité. Nous étions dans la dictature et c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, au moins, voilà. Il était démocrate. Il est devenu. Il est. Non, au fait. Parce qu'on voulait que le pays soit également. Ini, voyez tout ce qu'il a fait quand même. Bon, je vous dis que nous reconnaissons ce qu'il a fait. Certainement qu'il a rencontré le pays avec un budget qui ne pouvait même pas acheter des mitrailleuses. C'est que le pays était presque dans la rue. Il a essayé quand même d'organiser ce pays. Et ça a accepté. Même si il a laissé. Vous savez, Kabila a été le plus mauvais militaire. Imaginez, vous journalistes, vous trouvez le pouvoir aujourd'hui et vous laissez vos collègues journalistes dans la misère totale. Kabila était un militaire. Quand là, il a eu le pouvoir, il a laissé les militaires. Il s'est débrouillé là où faire les grands besoins. Vous voyez, c'est qu'il a été le plus mauvais militaire, mais il y a eu quand même les avancées
qu'il a réalisé aussi dans ces pays. D'accord. On ne peut pas tout réaliser à la même heure, à la même minute. Nous devons en tout cas tout cela. Il a fait plusieurs choses pour ces pays et je sais que les Congolais sont fiers de lui, de l'avoir connu comme chef de l'État. En conclusion, nous avons à la fin de cet entretien, monsieur Espoir, quel contraire, je ne sais pas, mot que vous avez envie de dire vis-à-vis de notre état de siège, on doit le dire, c'est notre état de siège parce qu'on est là. Nous intervenons dans l'état de siège, aujourd'hui nous travaillons dans notre état de siège. Nous sommes déjà habitués à vivre dans l'état de siège. Qu'est-ce que les Congolais peuvent faire pour que l'état de siège touche à une finalité, pour que l'état de siège puisse produire un résultat attendu par tous les Congolais? En fait, l'armée ne peut pas gagner seule la guerre. La guerre est gagnée par l'armée et par sa population. Quand le chef de l'État avait décrété l'état de siège, il y avait une mission principale pour l'état de siège. Et cette mission doit être accomplie. Mais pour l'accomplir, moi je vais appeler le chef de l'État à multiplier la sensibilisation, qu'on puisse sensibiliser la population, que la population puisse bien comprendre qu'est-ce que l'état de siège. Et j'appelle aussi la population à soutenir cet état de siège, puisque cet état de siège serait une solution pour l'insécurité dans la ville de Goma et ailleurs. Nous retenons ça comme votre conclusion. Merci, M. Espoir, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci, M. le journaliste.